Professeur Aouad? Si j'ai mal, vous m'entendez? Ah ouais, très bien, je m'entends. Donc, professeur, si on peut arrêter le micro et la caméra, comme ça, je démarre le webinaire. D'accord. Ok, tout de suite. Normalement, on démarre à 19h30. Je vais arrêter le partage et on commence. Donc d'abord, j'enlève le micro et la caméra. Voilà, super. احنا اشتغلنا كسبان.
Bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour. Oui, bonsoir. On vous entend? Très bien. Bonjour. On est là? Parfait. Eh bien, écoutez, on commence quand vous voulez. Très bien. Jamel Din. Jamel Din. Oui, c'est bon, docteur, on peut commencer. C'est bon, donc ouais. Tu as activé mon micro ?
Oui. Allez, vas-y. Donc, on y va. Richard, tu me vois ? Bonjour, oui, docteur parfait. Collet. Parfait. Bonjour. Donc, nous sommes tous là, professeur Collet, professeur Stott et moi-même. Donc, on va démarrer. Donc, bonsoir, mes chers amis. Bonsoir, mes chers amis, mes chers collègues. Jamel Dine. Oui, c'est bon, on est en direct, docteur. C'est bon ? Donc, c'est voilà, bon. Tu me donnes la parole, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, à toi la parole. Donc, bonsoir, mes chers amis, bonsoir, mes chers collègues. Donc, ravie de vous retrouver ce soir pour ce deuxième webinaire du mois de septembre et qui est consacré à la lecture des nouvelles recommandations émanant de la Société européenne de cardiologie et qui viennent d'être publiées dans le courant du mois d'août 2020. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur Jean-Philippe Collet, qui est directeur de l'unité de cardiologie interventionnelle à l'Institut cardiologique du groupe La Pitié-Salpêtrière et qui est le premier signataire des recommandations des syndromes coronaires aigus et ST-, émanant donc du groupe de la Société européenne de cardiologie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous le professeur Samir Stott, qui est professeur de cardiologie interventionnelle et passe-président de la Société marocaine de cardiologie, pour modérer cette session donc sur les syndromes coronaires aigus. Nous remercions les laboratoires Sun Pharma de nous avoir permis de nous réunir ce soir autour donc, de cette thématique très importante. Et sans plus tarder, je donne la parole au professeur Stott pour introduire la session et la modérer. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous en fin de session. Samir, à toi la parole. Merci, Isha. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la Société marocaine de cardiologie de m'avoir invité à modérer cette table ronde extrêmement intéressante, passionnante. Je remercie le professeur Jean-Philippe Collet d'être parmi nous et de nous consacrer ce webinaire à propos des recommandations ESC 2020, des syndromes coronaires aigus sensus décalage du segment ST. Comme vous savez, c'est un thème très intéressant, passionnant, en perpétuelle évolution et de pratique quotidienne. Et donc là, ce thème avait besoin d'un rafraîchissement puisque les dernières recommandations dataient de 2015. Et puis, ces rafraîchissements se sont faits sur plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan diagnostique avec les nouveaux algorithmes de la troponine, sur la stratification du risque, mais aussi sur le plan thérapeutique, la stratégie invasive et surtout, les modalités du traitement antithrombotique qui évoluent énormément dans les syndromes coronaires aigus. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à notre hôte, Jean-Philippe Collet, qui vient de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui a publié énormément sur ce domaine de cardiologie interventionnelle, pour nous lire et nous expliquer ses recommandations ESC 2020 sur le syndrome coronaire aigu, sensus décalage du segment ST. Merci, M. Collet. À vous la parole. Merci beaucoup à tous les deux. De votre introduction et puis merci à la Société marocaine de m'inviter à partager ces nouvelles recommandations qui ont en fait la principale qualité entre guillemets d'être pragmatique et c'est ce qu'on a voulu hein, les recommandations doivent être avant tout pratiques et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc il faut que vous me donniez la possibilité de partager mon écran pour que je puisse passer les diapositives. Sinon, je ne peux pas le faire. Ah ben voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Donc, vous voyez cette première diapositive. Donc, ce qu'il faut savoir, vous le soulignez, c'est un travail collaboratif d'une vingtaine de personnes dont vous voyez les noms qui s'affichent ici sur cette diapositive. Et donc, j'ai eu le plaisir de faire ça avec le professeur Holger Thiele, qui est en Allemagne,
à Leipzig et qui a une grande expertise dans les syndromes coronariens aigus, en particulier dans le choc cardiogénique. Et vous voyez qu'on a eu tout un tas de collègues qui nous ont aidés à écrire ces recommandations. Et ça prend à peu près 2 ans de travail avec à peu près 3 tours de révision. Donc, il y a plus d'une centaine de médecins spécialistes qui relisent ces recommandations, qui posent des questions. Et on doit répondre en fait à ces suggestions, ces interrogations pour pouvoir finalement produire ces recommandations. Alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des nouveautés qui n'existaient pas en 2015. C'est en particulier l'infarctus sans obstruction coronaire, ce qu'on appelle les fameuses MINOCA. Et elles ont été particulièrement importantes pendant la période Covid-19, hein, avec ce qu'on appelle les infarctus qui sont liés aux micro-angiopathies thrombotiques. On a également abordé les dissections coronaires, puisque c'est une sémiologie angiographique qui est assez nouvelle, et ça n'existait pas dans les anciennes recommandations. Et c'est, disons, une sémiologie particulière, et c'est un diagnostic qui est souvent méconnu. Et enfin, on a pour la première fois apporté ce qu'on appelle les indicateurs de qualité, en fait, qui vous permettent de voir comment vous allez implémenter ces recommandations dans votre pratique. En fait, ces indicateurs de qualité sont basés sur des recommandations assez fortes, comme l'utilisation de la troponine, l'utilisation de la bithérapie anti-agrégante, etc. etc. Et puis, il y a tout un tas d'anciennes choses qui ont été remises à jour. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne pourrais pas tout voir dans ce topo parce qu'il me faudrait des heures, mais c'est juste pour vous faire toucher du doigt ce qui nous a semblé le plus important pour la prise en charge des patients. Alors, on a fait très attention à la mise en page. Hein, donc vous verrez qu'on a fait des figures faciles à lire et il y a des enregistrements audio pour chacune des figures, pour vous guider et vous dire ce qui est important. Donc, on a fait attention aussi bien au fond qu'à la forme, et je pense que c'est important de le souligner. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'approche diagnostique, comme vous l'avez dit en introduction, on a bien insisté sur l'importance du diagnostic, que ce n'est pas uniquement de l'électrocardiogramme, ce n'est pas uniquement la sémiologie clinique, c'est aussi des biomarqueurs, et il faut intégrer les trois pour essayer d'éliminer le diagnostic d'infarctus du myocarde. Parce qu'en fait, dans cette pathologie, ce qui est le plus important, c'est le degré d'incertitude. Hein, donc, c'est pas toujours une sémiologie simple, aussi bien sur l'électrocardiogramme que sur la clinique. Et puis également, les variations de biomarqueurs, ce n'est pas toujours simple. Et même les médecins qui sont les plus chevronnés se font avoir, entre guillemets. Hein, et donc, on a vraiment introduit le concept d'incertitude. Et l'objectif, en fait, c'est d'éliminer le diagnostic d'infarctus du myocarde avec la probabilité la plus élevée. Ça ne veut pas dire qu'on élimine la maladie coronaire, mais ça veut dire qu'on va pouvoir orienter le patient dans des chemins différents avec un niveau de sécurité le plus élevé possible. Donc, pour ce faire, on a recommandé l'utilisation de l'algorithme troponine 0,1 heure et éventuellement 0,2 heure. Et ça, c'est une recommandation qui est forte. Et en fait, elle est basée essentiellement sur l'utilisation de la troponine hypersensible parce que c'est un biomarqueur qui varie très rapidement et qui est détectable à des niveaux de concentration extrêmement faibles. Et lorsque les concentrations sont très faibles ou lorsqu'il n'y a pas de variation, on peut, avec quasi certitude, éliminer le diagnostic d'infarctus. Et surtout, la probabilité de faire un événement grave dans les semaines qui viennent est extrêmement faible, c'est-à-dire inférieure à 1%. Et c'est pour ça qu'on a implémenté cela, pour pouvoir trier les patients rapidement et laisser à l'hôpital ceux qui le nécessitent et utiliser une autre filière pour ceux qui ne nécessitent pas forcément d'être hospitalisés. La deuxième recommandation, vous voyez, qui est en rouge, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'autres biomarqueurs diagnostiques
dans ce cheminement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mesurer les CK, les CKMB, la copeptine, qui est fréquemment faite dans les services d'urgence. Et ça, c'est parce qu'on a la troponine hypersensible. Enfin, dans la stratification du risque, il y a un autre biomarqueur qui est intéressant, c'est le NT-proBNP, parce qu'il apporte eh bien, une information pronostique. Pas dans le diagnostic, mais une information pronostique. Donc, si vous voulez, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout la troponine hypersensible qu'il faut garder lorsqu'on est à la phase diagnostique. Alors, vous voyez, sur cette figure, c'est un petit peu eh bien, la prise en charge de ces patients, comment on fait. C'est-à-dire qu'on a une sémiologie clinique de douleur thoracique qui oriente plus ou moins vers des douleurs angineuses. On a une sémiologie électrocardiographique qui oriente vers une origine coronaire. Et ensuite, eh bien, on a une sémiologie biologique avec ces biomarqueurs qui vont vous permettre en fait, d'affirmer ou d'éliminer le diagnostic d'infarctus du myocarde. Donc, si vous voyez à l'extrême gauche du diagramme, si vous avez des concentrations qui sont extrêmement faibles ou des variations sur les deux dosages à une heure d'intervalle qui sont faibles, eh bien, vous allez pouvoir quasiment certainement éliminer le diagnostic d'infarctus du myocarde. Et donc, votre patient, vous allez pouvoir eh bien, l'orienter vers de l'imagerie non-invasive ou vers de l'angiographie coronaire. Si vous êtes dans la zone où les concentrations sont très élevées, eh bien, vous allez quasiment affirmer le diagnostic et vous allez pouvoir envoyer votre patient vers la coro ou vers disons, le scanner si vous n'avez pas la coro sur place. Et enfin, vous pouvez être dans une zone d'observation, c'est-à-dire que concentrations ne sont pas très élevées ou les variations ne sont pas suffisantes pour pouvoir vous déterminer. Donc, vous allez être dans une zone d'observation et vous allez pouvoir éventuellement refaire le dosage 3 heures plus tard. D'accord ? Donc, vous voyez qu'on s'adapte vraiment eh bien, à ces dosages biologiques. Et vous voyez qu'il y a des valeurs pour toutes les trousses de troponine hypersensible qui sont sur le marché. C'est-à-dire qu'elles ont toutes été testées et pour chacune d'elles, on a les dosages très faibles, les dosages faibles, les variations à une heure ou les concentrations très élevées. Vous m'excusez une seconde. Et ça, c'est vrai pour toutes les trousses de troponine, quelles qu'elles soient, que vous voyez ici, qui sont sur le marché. Et vous avez ça pour l'algorithme 0,1 heure et l'algorithme 0,2 heures. Ça veut dire qu'en fait, tous ces dosages, ils ont été validés dans des études prospectives avec un suivi de patients. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, cette figure, en fait, vous indique comment, en fait, on va prendre en charge ces patients. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de dissociation entre la biologie et la clinique. C'est simplement une prise en charge intégrée. Et ce n'est pas parce que vous faites vos prélèvements à 0 et 1 heure que vous allez prendre votre décision au bout d'une heure. D'accord ? L'idée, c'est que entre le prélèvement fait à 0 et à 1 heure, eh bien, les chiffres qui vont vous être donnés vont vous permettre de prendre une décision. Pas au bout d'une heure, parce que vous n'aurez pas forcément les résultats de vos dosages au bout d'une heure. Ça peut être plus longtemps. Mais simplement, l'intervalle de temps est suffisant pour pouvoir prendre une décision avec un risque qui est mineur pour le patient. Et c'est ça le message de cet algorithme 0-1 heure. Si vous ne pouvez pas conclure avec le dosage fait à 1 heure, vous allez refaire un dosage à la deuxième heure. D'accord ? Donc, 0-1 heure ou 0-2, ça ne change pas beaucoup, mais il y a des endroits où vous pouvez avoir les dosages rapidement et 0-1 heure est suffisant pour prendre eh bien, une décision. Donc, si vous voulez, c'est des recommandations qui vont changer un petit peu eh bien, la prise en charge de ces patients, notamment pour les urgentistes, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ensuite, en ce qui concerne la stratification du risque, globalement, on peut toujours utiliser le score GRACE parce qu'il intègre toutes les comorbidités des patients, c'est-à-dire en particulier l'âge, les paramètres hémodynamiques, la fonction rénale, les modifications électrocardiographiques. Donc, ça reste quelque chose d'important et de fort. Et c'est déterminant, en fait, également pour orienter le patient rapidement vers la coronarographie ou le faire attendre.
Et donc, vous voyez, c'est une recommandation de niveau 2A. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en routine, même si on le fait, on ne le calcule pas, on le fait intuitivement. C'est un score qui reste important. Ensuite, on a implémenté un score nouveau pour l'évaluation du risque hémorragique. C'est ce qu'on appelle le score ARC-HBR. HBR, ça veut dire haut risque hémorragique. Et l'intérêt de ce score, c'est qu'il est très prédictif. Il a été validé. Et surtout, il est très pragmatique, il est très facile à faire. C'est un peu comme le diagnostic d'endocardite. Donc, je vous ai indiqué deux plaques pour vous aider. Donc, vous voyez, c'est des critères qui sont vraiment simples, c'est-à-dire le niveau des plaquettes, le niveau des globules rouges, l'existence ou non d'un cancer actif, une maladie hépatique, une insuffisance rénale, l'âge du patient, les traitements concomitants. Est-ce que le patient a un traitement anticoagulant? Est-ce que le patient est exposé aux anti-inflammatoires? Est-ce qu'il a un antécédent récent d'hémorragie? Est-ce qu'il a des antécédents vasculaires? Et en fait, si vous voulez, lorsque vous avez un critère majeur seul ou deux critères mineurs, ça suffit à établir que votre patient il est à très haut risque hémorragique. Et le haut risque hémorragique, ça indique que vous avez un risque d'hémorragie majeure à plus de 4% dans l'année lorsque le patient va être exposé à un traitement ou autre. Donc, c'est beaucoup plus simple que certains autres critères et surtout, c'est beaucoup plus performant que, par exemple, le score ASBLED. Et donc, c'est pour ça qu'on le recommande dans son utilisation. Alors, en ce qui concerne les traitements antithrombotiques, il y a des recommandations qui sont nouvelles et en particulier chez ces patients qui ont un SCAST-1, une suspicion de SCAST-1, on ne recommande plus le pré-traitement systématique avant de connaître l'anatomie coronaire. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans 30% des cas, les patients qui venaient avec un diagnostic de non-stémie, en fait, ils n'avaient pas de maladie coronaire ou il n'était pas nécessaire de les revasculariser. Donc ça, c'est important. On a laissé la porte ouverte au pré-traitement quand on estime que la probabilité diagnostique de maladie coronaire est élevée et que le risque hémorragique est faible et que le patient ne peut pas avoir la coronarographie tout de suite. Donc, vous voyez, c'est une recommandation de niveau 2B, c'est-à-dire qu'on n'a pas fermé la porte, on a simplement fermé la porte au pré-traitement en routine. Donc, ça a été un débat qui date de plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, on a accumulé les données, et notamment la récente étude d'Ubius qui a été communiquée à l'ESC en même temps, indique les mêmes résultats. Donc, plus de pré-traitement, et ça, c'est une recommandation importante. En ce qui concerne l'utilisation au long cours des inhibiteurs du PDE-12, message clé ici, c'est personnalisation du traitement. C'est-à-dire qu'on va faire du à la carte. Et globalement, ce qu'on dit, c'est que tout peut se décider assez précocement. Et vous voyez que ici, on indique qu'on peut utiliser un deuxième antithrombotique en association avec l'aspirine ou le clopidogrel sur le long cours. Et ça dépend du rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire comment on évalue le risque ischémique, comment on évalue le risque hémorragique. Et tout est résumé dans cette diapositive où vous voyez que la première chose qu'on fait, on intègre le risque hémorragique. Et s'il est très élevé, selon les critères BARC, eh bien, vous voyez qu'on va faire une bithérapie très courte. C'est-à-dire qu'on va faire un mois d'aspirine clopidogrel. S'il est élevé, on ne va faire pas plus de trois mois. Et ça va être encore de l'aspirine et du clopidogrel. S'il est faible, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire comme on fait d'habitude. Et cette décision va dépendre du risque ischémique. Vous voyez, le risque ischémique, en fait, il vient après l'évaluation du risque hémorragique. Et si le risque hémorragique et ischémique est intermédiaire, on va pouvoir faire, par exemple, une approche twilight, c'est-à-dire, par exemple, aspirine ticagrelor et ensuite ticagrelor seul. Si le risque ischémique est plus élevé, eh bien, on va faire plutôt une bithérapie anti-agrégante pendant un an avec de l'aspirine ticagrelor ou de l'aspirine prasugrel. Et on a plutôt recommandé le prasugrel que le ticagrelor dans cette configuration à cause de l'étude ISA-REACT-5. Et ensuite, au bout d'un an, eh bien, on va réévaluer les choses. Soit on va continuer une bithérapie avec une association aspirine P2Y12, soit éventuellement, on va remplacer l'inhibiteur du P2Y12 par du rivaroxaban dans un schéma comme COMPASS. Mais par exemple, dans notre pays, en France, la question ne se pose pas puisqu'on n'a pas le remboursement. Et je pense que c'est la même chose au Maroc.
Mais c'est juste pour vous dire qu'on s'est adapté au maximum aux caractéristiques du patient avec les données de la science dans un schéma, vous voyez, qui est assez pragmatique et qui résume tout. Alors, en ce qui concerne l'association du traitement anticoagulant et du traitement antiagrégant, on a été aussi novateur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'est adapté à la littérature la plus récente. Et il y a deux recommandations qui sont fortes. La première, c'est que quand le patient a besoin d'un anticoagulant, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est l'anticoagulant oral direct qu'il faut utiliser en lieu et place des antivitamines K. Si ce patient est dilaté, l'idée, c'est de faire une trithérapie la plus courte possible. Et la recommandation, par défaut, c'est d'une semaine. Parce que ce sont des patients qui sont à risque hémorragique élevé. Et ensuite, en fait, la durée de cette trithérapie va s'adapter. Si c'est le risque ischémique qui prévaut, on va pouvoir la faire jusqu'à un mois. Si c'est le risque hémorragique qui prévaut, on va l'arrêter au bout d'une semaine et on va s'orienter vers plutôt une bithérapie, c'est-à-dire l'association d'un anticoagulant oral direct avec du clopidogrel jusqu'à 6 mois, voire plus. Et au bout d'un an, s'il n'y a pas de risque ischémique élevé, et ça dépend de l'anatomie coronaire, de l'intervention qui a été effectuée, on va maintenir ou arrêter le dernier antiagrégant qui était chez notre patient. Et c'est le schéma suivant qui vous résume ces recommandations. Donc, vous voyez encore une fois, c'est l'évaluation du risque hémorragique qui est fait en premier lieu, et en fonction de ce risque, on va décider. Mais par défaut, c'est une trithérapie jusqu'à une semaine, d'accord ? On va la maintenir, comme je vous l'ai dit, à un mois, si le risque ischémique est élevé, et ensuite, on va voir. Vous m'excusez une seconde. Allô ? Allô ? Oui ? Ouais, je suis là, je suis dans mon bureau, je suis sur place. Voilà. Ouais. Je peux te rappeler dans 20 minutes ? Ok. Ok, bon, je te rappelle. Voilà. Et si le patient est à risque hémorragique élevé, vous voyez qu'on va faire cette bithérapie, mais uniquement jusqu'à 6 mois. Et ensuite, si on pense que c'est le risque hémorragique qui est plus important que le risque hémorragique, on va laisser l'anticoagulant oral seul. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est à la carte. Et cette recommandation, elle s'est beaucoup basée sur les données de l'étude Augustus. D'accord ? Et puis ensuite, vous avez la stratégie par défaut, c'est-à-dire que c'est le patient qui a un risque standard, c'est-à-dire qui a un risque hémorragique qui équivaut au risque ischémique. Et à ce moment-là, on fait un traitement triple jusqu'à la sortie, un traitement double jusqu'à un an. Et au bout d'un an, on va se reposer la question d'arrêter ou de poursuivre le dernier antiagrégant qui était là. Donc, vous voyez, c'est vraiment du sur-mesure. Il y a une dernière recommandation sur laquelle je voulais venir, et je reviens à une diapositive avant, c'est celle qui est ici en orange. Vous avez certains patients, en fait, qui ont une fibrillation atriale paroxystique ou un score CHA2VAS qui est très faible. Et quand on estime que le risque de la maladie coronaire est plus important que le risque de la fibrillation atrial en termes de risque cardio-embolique, eh bien là, on s'est permis éventuellement de dire qu'on allait associer simplement un inhibiteur du P2-12-4 avec de l'aspirine à la place de l'anticoagulant. Donc, c'est-à-dire qu'on va arrêter l'anticoagulant, on va laisser un inhibiteur du P2-12-4 avec de l'aspirine pendant quelques semaines, parce qu'on sait qu'au bout de 4 à 6 semaines, le risque de thrombose de stène baisse, et ensuite réintroduire l'anticoagulation. Alors, cette recommandation, elle a un faible niveau de preuve, elle est 2BC, c'est-à-dire qu'on peut la faire dans certains cas, donc c'est du cas par cas, et on a eu beaucoup de discussions avec nos collègues rythmologues qui ont également fait leurs recommandations sur l'AFA, au même moment que nous, on s'est alignés, mais c'est une recommandation avec laquelle ils n'étaient pas d'accord, parce qu'en fait, ils ont du mal à arrêter un traitement anticoagulant chez un patient qui a un score CHA2VAS très faible. Mais je pense qu'on peut le faire dans des situations très particulières. C'est pour ça qu'on a laissé la porte ouverte à cette possibilité. C'est le cas, par exemple, de la personne de 60 ans qui a une arythmie qui est dite paroxystique ou qui a été transitoire pendant le syndrome coronarien aigu.
et la maladie coronaire est sévère, l'orage thrombotique est important, le montage d'angioplastie est complexe, et donc on est plus à l'aise avec utiliser du prasugrel ou du ticagrelor plutôt qu'un traitement anticoagulant. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la prise en charge de ces patients, une fois qu'on a fait le diagnostic, par exemple, d'infarctus sans sus-décalage du segment ST, comment on les prend en charge, comment on les oriente vers la coronarographie. Donc là, on a aussi dépoussiéré les choses, c'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez quatre groupes de risques. Hein, c'est-à-dire que vous aviez des patients à très haut risque, des patients à haut risque, des patients à risque intermédiaire et des patients à faible risque. Donc, dans ces nouvelles recommandations, on a éliminé le groupe risque intermédiaire parce qu'en fait, on s'est aperçu que ça ne correspond pas à la pratique. Donc, on a gardé les patients à faible risque. Les patients à faible risque, c'est ceux qui ont une troponine normale. Et donc, ces patients, en fait, on n'est pas obligé de faire une angiographie rapidement dans les 24 heures. On n'est même pas obligé du tout de faire une angiographie. On peut faire de l'imagerie non-invasive ou un test fonctionnel, comme par exemple un test d'effort, de l'échographie d'obutamine, de l'IRM, tout ce que vous voulez. D'accord ? On n'a pas la certitude que la maladie coronaire est éliminée, simplement on a la certitude que ce n'est pas une urgence en termes d'angiographie. Hein, et chez ces patients, on a une approche invasive sélective et on recommande en particulier l'utilisation du coroscanner, parce qu'en fait le coroscanner, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir éliminer le diagnostic anatomique de maladie coronaire. D'accord ? Donc, c'est les patients faible risque. Maintenant, vous avez les patients qui sont à risque élevé. Et ces patients, en fait, ils doivent avoir une coronarographie dans les 24 heures. Et vous voyez qu'il y a quatre critères diagnostiques et c'est une recommandation en vert, c'est-à-dire que c'est une recommandation forte, hein, 1A, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Donc, ce sont des patients qui ont soit une troponine élevée, soit des modifications dynamiques du segment ST ou de longue T, soit un sus-décalage du segment ST transitoire, soit un score de Grace à plus de 140. Et à ce moment-là, on considère que c'est des patients qui sont soit redevables du scanner immédiatement, soit ils doivent être transférés dans un centre pour avoir la coronarographie, parce qu'on sait que ces patients ils vont bénéficier d'une prise en charge invasive précoce et que... cette prise en charge invasive précoce réduit des événements durs, comme notamment le risque de décès ou d'infarctus. Et on sait que c'est vrai lorsque la troponine est élevée, c'est vrai lorsque le patient est âgé ou qu'il est diabétique, etc., et lorsque la troponine est élevée. Donc, c'est vraiment une recommandation qui est forte. Et ensuite, vous avez les patients qui sont non-STEMI-like, c'est-à-dire les patients à très haut risque. Donc, ce sont ceux qui ont une situation hémodynamique instable. Ce sont ceux qui ont des orages rythmiques, avec notamment des troubles du rythme ventriculaire incessant. Ce sont des patients qui restent douloureux, malgré les traitements vasodilatateurs. Ce sont des patients qui ont fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier avec des modifications électrocardiographiques qui indiquent une ischémie myocardique étendue. D'accord, donc ça, c'est très bien codifié et ça n'a pas beaucoup changé par rapport à 2015. Donc, vous voyez, tout vous est résumé dans cette figure. Donc, soit vous avez un centre où il n'y a pas d'angioplastie sur place, d'accord. Les patients à très haut risque ou à haut risque, normalement, on demande la coronarographie dans les 2 heures ou dans les 24 heures. Les patients à faible risque, ce n'est pas nécessaire de les rapprocher d'un centre où il y a la coro. Hein, on fait une approche sélective invasive, hein, et on n'est pas forcément obligé d'avoir la coro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de l'imagerie non invasive, des tests fonctionnels. Maintenant, quand vous êtes à haut risque, hein, on a vu les critères de haut risque, on a vu les critères du très haut risque, quel que soit l'endroit où vous soyez, c'est-à-dire dans un centre où il y a l'angioplastie ou dans un centre où il n'y a pas l'angioplastie, on va faire la même chose, la même démarche. Alors, je sais qu'il y a des USIC, et en France, 50% des USIC n'ont pas d'angioplastie sur place. Hein, et l'idée, c'est de pouvoir transférer ces patients. Et si vous ne pouvez pas les transférer, éventuellement, c'est de faire le scanner. Parce que même dans le cas du non-STEMI, hein, il y a des études qui montrent que le scanner coronaire permet d'éviter 30% de coronarographie inutile.
c'est-à-dire que ça vous fait des diagnostics de non-systémiques qui ne sont pas liés à une maladie coronaire obstructive et qui ont une autre origine. Donc, vous pouvez faire le scanner lorsque vous n'avez pas la possibilité de faire autre. Alors, ici, vous voyez une illustration qui résume en fait toute cette prise en charge. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une évaluation initiale de votre patient, c'est-à-dire que vous allez évaluer les symptômes, évaluer l'électrocardiogramme que vous allez répéter, regarder la variation de la troponine hypersensible, et ça va vous permettre de vous engager soit vers une prise en charge non invasive, et vous allez pouvoir décider soit de ne pas hospitaliser votre patient, de le garder en observation ou de l'hospitaliser en centre d'unité de soins intensifs. Ensuite, vous pouvez utiliser le score GRACE ou le NT-proBNP à des fins pronostiques. Et ensuite, vous allez valider votre diagnostic avec votre troponine à 60 minutes, avec la répétition de l'électrocardiogramme, avec l'électrocardiogramme 18 dérivations. Et c'est là, en fait, où vous allez également encore prendre la décision de garder votre malade, de continuer à l'observer, de l'orienter rapidement vers l'angiographie coronaire ou de le garder et l'orienter vers l'angiographie coronaire dans les 24 heures. Et si vous estimez que vous devez faire l'angiographie coronaire, vous avez également toute une partie sur l'utilisation des stents et sur le timing de la coro comme on vient de voir. Alors, en ce qui concerne le traitement antithrombotique, donc, on fait de l'aspirine et de l'héparine à tous ces patients et on ajoute un inhibiteur du récepteur P2Y12 une fois qu'on a eu l'anatomie coronaire. D'accord ? Donc, tout ça, ça vous est résumé dans cet algorithme, dans cette illustration centrale qui résume tout. Et vous voyez que si vous allez vers une prise en charge invasive, donc on a repris les critères, dans les 24 heures, dans les 2 heures, et si vous devez faire une angioplastie, vous faites l'angioplastie de la lésion coupable avec un stent actif, on vous également recommande de revasculariser tous les vaisseaux dans la même hospitalisation, un peu comme on fait dans la maladie coronaire avec sus décalage du segment ST, c'est-à-dire le ST. D'accord ? Sinon, la décision entre angioplastie et pontage, c'est exactement la même discussion qu'on doit avoir pour une maladie coronaire stable. D'accord ? C'est la même chose parce qu'on n'est pas dans le contexte de l'angioplastie primaire. Donc, ça va dépendre du score syntaxe, des comorbidités du patient et de la décision du patient. Et c'est la décision médico-chirurgicale, c'est-à-dire que c'est le staff. D'accord ? On n'est pas dans l'angioplastie primaire, sauf dans les situations rares, c'est-à-dire les STEMI-like, où on doit faire l'angioplastie tout de suite. Donc, vous voyez qu'on emprunte un petit peu des recommandations sur le sus décalage du segment ST et un petit peu des recommandations sur la prise en charge de la maladie coronaire chronique. D'accord ? Mais ici, le maître mot, c'est le dosage de la troponine. D'accord ? C'est attendre l'anatomie coronaire, utiliser l'imagerie non-invasive, avant d'initier un traitement par inhibiteur du P2Y12. Alors, pour ces recommandations, vous verrez que vous avez également ce qu'on appelle des companion papers, c'est-à-dire qu'on a publié deux petits articles qui vous résument en fait toutes ces recommandations à travers des petites vignettes, c'est-à-dire que c'est des petits cas cliniques qui sont extrêmement simples où une seule question est posée. Et donc, ça couvre toutes les recommandations, c'est-à-dire de l'aspect diagnostique à l'aspect stratification du risque, à l'aspect revascularisation et à l'aspect utilisation des traitements antithrombotiques et des minocains. Et à chacune des vignettes, il y a une question et une réponse. D'accord ? Donc, ça vous permet d'implémenter ces recommandations dans votre pratique de tous les jours. Alors, j'ai une diapo que je ne vous ai pas montrée faute de temps. C'est la diapositive sur les minocas, mais on pourra en discuter. Et si vous voulez, ici, l'idée, c'est de dire que sur ces infarctus
qui sont associées à des lésions coronaires non significatives, eh bien, il y a tout un arbre décisionnel pour éliminer la myocardite, pour éliminer le Takotsubo et pour éliminer l'atteinte microvasculaire et aboutir au diagnostic final d'infarctus du myocarde sans obstruction coronaire. Mais le maître mot dans les minocas, c'est l'IRM. Parce que en fait, l'IRM va pouvoir en fait, vous faire quasiment tous les diagnostics différentiels, hein, c'est-à-dire l'infarctus sous-endocardique, qui est plus souvent lié à une pathologie des artères épicardiques, à une myocardite, à un Takotsubo, etc. Et donc, c'est très important l'IRM dans le cadre des minocas pour pouvoir en fait, aboutir à un diagnostic final qui est important. Mais ça, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Donc, j'arrête là ma présentation. C'est une présentation, vous voyez, je ne suis pas rentré dans les détails de tout parce que, je veux dire, on ne peut pas, mais c'est juste pour vous défricher les messages clés de ces recommandations. Puis ensuite, vous pourrez aller lire plus en détail et vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà. La parole est à vous. Tu actives ton micro. Samir, tu actives ton micro. Alors, merci. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci, professeur Jean-Philippe Connet, pour cette excellente présentation qui va susciter plusieurs questions. D'ailleurs, des questions sont déjà posées par nos participants. Je vais commencer par vous lire quelques questions et puis on fera la discussion au fur et à mesure. Très bien. Alors, une des questions qui a été posée, c'est comment interpréter la troponine peu élevée et une BNP élevée significativement dans ces syndromes? Alors, on peut avoir un taux de NT-proBNP élevé, hein, qui indique un stress myocardique sans qu'il y ait de la nécrose. Ça peut très bien se voir dans l'insuffisance cardiaque. Mais la sémiologie souvent est quand même différente. Mais le NT-proBNP, il ne rentre pas dans l'arbre diagnostique du SCA ST-. Il est là pour apporter un élément pronostique. D'accord. Donc on peut avoir une suspicion de SCA ST-, avec une troponine normale. Simplement, le NT-proBNP, s'il est élevé, nous indiquera que en fait, il y a une altération de la fonction myocardique, d'accord, qui est probablement liée à une maladie coronaire qui préexistait avec un antécédent d'infarctus, etc., sans que l'épisode actuel en fait, soit un épisode aigu. Alors, une autre question qui est posée. Alors, l'interprétation des troponines avec insuffisance rénale, c'est une vraie hantise aux urgences cardiologiques. En fait, c'est là où se pose la question de la différence des troponines entre 0 et 1 heure. Comment un petit peu différencier entre ces vrais syndromes coronaires aigus non stémie chez un patient qui a une insuffisance rénale, par exemple? C'est-à-dire que, par exemple, si le patient, on va se baser exactement comme chez le patient qui n'est pas insuffisant rénal, hein, et donc il y a eu des dosages qui ont été faits chez le patient insuffisant rénal. Donc si la troponine de base est très élevée, par exemple au-delà d'un niveau dit très élevé, comme par exemple, je ne sais pas, moi je prends l'exemple, si on prend la troponine de T de chez Roche au-delà de 52, eh bien on va regarder la variation une heure ou deux heures plus tard. Hein. Et si par exemple vous avez une troponine qui est à 50 au premier prélèvement et qu'elle est à 60 au deuxième prélèvement, eh bien ça vous indique qu'il y a une souffrance myocardique qui est en cours. Et donc ça, c'est vrai qu'il y ait une insuffisance rénale ou pas. Et c'est vrai que
les patients qui sont polyvasculaires, polyartériels, ils ont une troponine de base qui est élevée. Donc, on ne peut pas raisonner sur un seul dosage. D'accord ? Donc, on va raisonner sur une cinétique. D'accord ? Et dans ces recommandations, vous avez la cinétique de variation pour des patients qui ont des dosages élevés. D'accord ? Donc, ça ne pose aucun problème. OK. En fait, une autre question se pose sur en fait, le pré-traitement par les inhibiteurs de PLDY12. Et ça reste compliqué quand on suspecte un syndrome coronaire aigu et qu'on ne fait rien le temps de faire la coronarographie qui peut-être va se faire dans les 24 heures. Donc, que pensez-vous de cette exclusion du démarrage d'un traitement par les anti-agrégants plaquettaires anti-P2Y12? Alors, il y a deux éléments de réponse à cette question. Le premier élément, c'est que vous ne faites pas rien, puisque vous allez initier un traitement par aspirine et un traitement par anticoagulation parentérale. Donc, vous faites quelque chose, d'accord? Et le deuxième élément de réponse, c'est que pendant cet intervalle de temps qui est court, de 24 heures, le risque d'événement grave, il est aux alentours de 0,5%. D'accord? Et c'est impossible de démontrer que l'utilisation d'un P2Y12 va diminuer significativement des événements qui sont très rares. Mais par contre, on sait que sur le risque hémorragique, il y a un effet délétère qui est vraiment démontré dans toutes les études. Donc l'idée, alors sauf si par exemple vous avez la certitude que vous avez un coronarien, c'est-à-dire que c'est un patient qui a déjà été stenté, qui a des douleurs typiques, qui a des modifications électriques typiques, qui a une élévation de la troponine, vous ne pouvez pas avoir une coro dans les 24 heures. Il est évident que chez ce patient qui a un risque hémorragique faible, vous avez le droit de faire le pré-traitement. D'accord ? Dans ces recommandations, ce qu'on dit, c'est pas de pré-traitement en routine chez n'importe qui. D'accord ? Sans s'interroger, parce que la probabilité d'incertitude, elle est importante. La majorité des patients qui viennent avec une suspicion de SCA ST-, ils n'ont pas d'antécédents la plupart du temps. Ils n'ont pas d'antécédents coronariens, ils ont des facteurs de risque, mais vous n'avez pas la certitude du diagnostic. Et la preuve en est, c'est que pratiquement 60% de ces patients vont aller à l'angioplastie, donc ce n'est pas tous, d'accord ? Et qu'une bonne partie d'entre eux, ils vont avoir un diagnostic différentiel, autre, et pour lequel il n'y a pas besoin de traitement anti-agrégant plaquettaire. Donc, si vous voulez, le message ici, c'est le bon traitement pour le bon malade. Autre question qui a été posée, pour le non-stémie, quel anti-P2Y12 préférez-vous, ticagrelor ou prasugrel? Alors, personnellement, je ne préfère pas l'un à l'autre. Les deux médicaments sont parfaits. Simplement, dans ces recommandations, on a personnalisé le choix en fonction du type de bithérapie qu'on décide. Si vous êtes chez un patient qui a un risque hémorragique faible, et je pense que c'est une grande partie de nos malades, en tout cas ceux qui ne sont pas sous anticoagulants, et que vous avez un risque ischémique qui est intermédiaire, vous pouvez faire par exemple une stratégie comme dans Twilight, ça marche très bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire aspirine ticagrelor et ensuite vous arrêtez l'aspirine. Vous laissez le ticagrelor au long cours et on a vu que en termes d'événements ischémiques, c'est aussi efficace et surtout, il y a moins de risque hémorragique. Maintenant, si vous êtes chez un patient dont le risque ischémique est très élevé, donc là, vous voulez un traitement qui combine l'aspirine et l'inhibiteur du P2Y12 pendant un an, et en l'occurrence un inhibiteur du P2Y12 puissant, eh bien là, on donne la préférence plutôt au prasugrel qu'au ticagrelor, compte tenu de l'étude ISA-REACT 5. D'accord ? Mais c'est une recommandation 2A. C'est-à-dire que on dit que la préférence va au prasugrel plutôt qu'au ticagrelor dans cette conformation de traitement. D'accord ? Mais ce n'est pas chez tous les malades. Une question encore de l'assistante, un peu différente.
Depuis l'étude Colcott, on commence à accorder de l'importance à la colchicine à faible dose, 0,5 mg, dans le traitement des phénomènes inflammatoires de l'athérosclérose. Elle ne figure pas dans ces recommandations. Que pensez-vous de ce traitement peu coûteux? Eh bien, je pense que c'est un très bon traitement, surtout que dans l'étude Colcott, on a vu que eh bien, c'est un médicament qui a finalement très peu d'effets secondaires, puisqu'on craignait d'avoir beaucoup de complications infectieuses compte tenu de cet effet anti-inflammatoire. Ce n'est pas le cas. Par contre, l'effet préventif des récurrences d'événements est très important. Et donc, c'est très intéressant. Donc, je pense que c'est un médicament qui n'est pas cher, qu'il faut utiliser. Et je vous encourage à l'utiliser en prévention secondaire. En ce qui concerne ces recommandations, on est plutôt dans la prise en charge du syndrome coronaire aigu. D'accord ? On a vu que dans l'étude Colcott, c'est des patients qui sont plutôt en prévention secondaire. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont stabilisés. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la colchicine dans ces recommandations, mais je pense qu'elles seront mises dans les syndromes coronaires chroniques lorsqu'ils vont être réactualisés. Et on attend avec impatience les résultats de l'étude Colcorona qui est en cours dans le Covid-19, qui est une étude faite par nos collègues québécois, Jean-Claude Tardif, et on espère que ça va marcher dans le Covid. Professeur Collet, moi je reviendrai sur un peu la durée des antiagrégants plaquettaires qui, à un certain moment, ont commencé à se dire qu'il faudrait réduire cette durée des antiagrégants plaquettaires. Et là, on voit qu'on arrive à 12 mois, et puis après 12 mois, on se dit on peut continuer à ajouter, selon le risque, bien sûr, hémorragique. Et est-ce que vraiment cela est raisonnable? Est-ce que, c'est-à-dire qu'après 12 mois, il n'est plus raisonnable d'arrêter complètement la bithérapie? Ben, si vous voulez, bon, lorsqu'on estime que le risque hémorragique est faible, que la bithérapie a été bien supportée. Après, si vous voulez, la question qui se pose, c'est on réévalue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'hémorragie, l'anatomie coronaire est sévère. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle les facteurs qui vont être associés à une progression de la maladie. C'est-à-dire que, si vous voulez, la maladie athérosclérose, c'est une maladie qui il faut la voir avec 10 ans d'évolution. Il ne faut pas la voir avec 1 ou 2 ans. Et donc, si on est dans un contexte de patients polyartériels, de diabétiques, de maladies coronaires prématurées avec des facteurs de risque mal contrôlés, je pense que la bithérapie, ça vaut le coup de la prolonger. On a quand même, je veux dire, des données qui sont solides, avec des études qui sont intéressantes. Et vous voyez que dans ces recommandations, c'est quand on estime que le risque hémorragique est faible et que le risque thrombotique est élevé qu'on va poursuivre au long cours. Ce n'est pas du systématique. On s'adapte au cas par cas. Et vous voyez qu'on a introduit eh bien, la possibilité de faire des régimes twilight, c'est-à-dire des durées de bithérapie plus courtes. J'ai des malades qui ont un risque hémorragique plus élevé ou qui ont une anatomie coronaire qui est simple. Donc, on a essayé d'envisager un petit peu tous les cas de figure. Donc, ce n'est pas du systématique. Et vous voyez qu'au-delà de 1 an, le niveau de recommandation, il tombe à 2B. Le 2B, c'est-à-dire que c'est peut-être fait. D'accord ? Donc, c'est du cas par cas. Ça dépend du patient que vous avez en face de vous. Et c'est votre décision de docteur. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas en routine sans réfléchir. C'est du cas par cas. Une autre question a été posée. Est-ce que l'on peut donner la colchicine pendant la phase aiguë de syndrome coronaire aigu? Suite à la question précédente. Alors, il n'y a pas tellement de données à la phase aiguë des syndromes coronaires aigus, mais j'aurais envie de vous dire pourquoi pas, puisque c'est un médicament anti-inflammatoire. Pourquoi pas?
Je pense que c'est un traitement qui ne coûte pas cher, qui a finalement quelques effets secondaires digestifs, mais qui ne sont pas beaucoup plus forts que le placebo. Donc, je pense que vous pouvez très bien le faire. Alors, une question. Doit-on calculer le score de graisse quand la troponine est très basse? Alors, le score de graisse, si vous voulez, c'est un score qui intègre beaucoup de choses, hein, qui intègre bien évidemment les biomarqueurs, la troponine, mais aussi des facteurs de comorbidité et les hémodynamiques. L'hémodynamique, donc, vous pouvez le calculer même avec la troponine hypersensible. Ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez, en fait, le score de graisse, l'intérêt, c'est de le faire chez les malades qui ont une troponine normale. D'accord ? Si vous avez, par exemple, un patient qui a une troponine hypersensible normale, et puis vous voyez qu'il a un score de graisse élevé, eh bien, vous allez vous poser la question de lui faire la coro, parce que, en fait, dans le score de graisse, vous avez tous les intégrateurs de risque élevé. Donc vous pouvez, il y a des calculateurs, ils ont été adaptés pour les troponines modernes. Mais si vous voulez, quand vous faites les enquêtes, le score de graisse, très peu de gens l'utilisent. Parce qu'en fait, dans la pratique, en fait, c'est de l'intuition. Mais quand vous faites maintenant les études, hein, et que vous regardez, je veux dire, ce qui prédit le mieux, les risques d'événements, et ce qui guide le mieux comme paramètre la prise en charge invasive ou non des patients, bah, c'est le score de graisse. Donc, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Mais si vous voulez, quand on a fait ces recommandations, au départ, l'idée, c'était de s'en séparer. Mais en fait, on ne peut pas s'en séparer. Il y a une question qui est posée. En fait, les infarctus non spémiés sont-ils plus dangereux que les autres? Ça, en fait, je pense que c'est une question qui est pour rentrer dans le cadre de la surveillance rythmique. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, à la phase aiguë, ils ne sont pas plus dangereux que les stémies, parce qu'en général, la masse myocardique nécrosée est moins importante. Mais par contre, le pronostic au-delà de un an est moins bon, parce que ce sont des gens plus âgés, qui ont plus de comorbidités et qui ont plus fréquemment une maladie multitronculaire. Une autre question qui est posée. Quel traitement recommandez-vous chez un patient non stémie dont la coro n'est pas faisable, par exemple, sujet très âgé, multimorbide? Eh bien, en fait, c'est une prise en charge médicale. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un coroscanner pour être sûr qu'il y a une maladie coronaire. D'accord ? Si la maladie coronaire est avérée au scanner, eh bien, vous allez le traiter médicalement avec une bithérapie anti-agrégante, avec une prise en charge cure-like. D'accord. Une question très intéressante et qui se présente assez souvent. Un patient qui présente une fibrillation auriculaire sur une prothèse valvulaire mitrale mécanique traitée par antivitamine K et admis pour un syndrome coronaire aigu NST-. L'angiographie coronaire est prévue. Comment gérez-vous l'anticoagulation? Eh bien, on garde l'anticoagulant. On évite de faire des relais. On fait la coronarographie par voie radiale. Si on ne peut pas la faire par voie radiale, ben on la fait par voie fémorale avec un INR à moins de 2 en utilisant un système de fermeture. Et en fonction de l'anatomie coronaire, eh bien, on ajoutera les antiagrégants plaquettaires. Mais l'idée, ce n'est pas de relais. Et si vous faites l'angioplastie, bien évidemment, vous rajouterez des petites doses d'héparine au moment de l'angioplastie. Alors là, une question, quel traitement au long cours des dissections coronaires? Parce que là, ça rentre un petit peu dans les minocas. Alors, les dissections coronaires, donc, je veux dire, il y en a trois types, hein, c'est-à-dire que c'est, je veux dire, lorsque il y a un flux qui n'est pas de TIMI 3 et une souffrance myocardique, on conseille la revascularisation. Lorsque il y a une dissection coronaire avec un flux TIMI 3, une lésion qui est focale, on recommande de ne pas faire d'angioplastie. D'accord ? Et de recontrôler
le scanner dans le suivi de ces patients. Donc, ça dépend un petit peu, je veux dire, si le flux est immis 2 ou 1, où l'artère est occluse, bien évidemment, on recanalise. Si ce n'est pas le cas, on évite le geste interventionnel parce qu'on sait que l'angioplastie n'est pas toujours un bénéfice dans cette situation. Une question aussi. Est-ce qu'il n'y a plus d'indication à utiliser le score CRUSAL pour évaluer le risque hémorragique? On peut l'utiliser, mais c'était un score en fait qui était surtout utilisé à l'époque où on utilisait des inhibiteurs de la GPB3A et on utilisait la voie fémorale. C'est des choses qu'on fait moins maintenant et c'est pour ça que c'est moins intéressant de l'utiliser. C'est pour ça qu'on l'utilise quasiment plus, mais ça reste un bon score. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Ah c'est oui, bien. Il y a beaucoup de questions et je sélectionne un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc, un patient sans aucun facteur de risque cardiovasculaire, vu pour douleur abdominale vague, CG normal, mais échothrombus apical, troponine online négatif, 24 heures après, T négatif antéro-latéral et troponine fortement positive. Est-ce qu'on fait une trithérapie? On est avec un thrombus apical chez un patient avec un ECG normal au départ et puis on se retrouve avec des ontées négatives et une troponine très positive. Bah, s'il a un thrombus apical, bon, déjà, il faut le confirmer, mais en général, le plus souvent, les thrombus apicaux, c'est dans des zones qui sont infarcies. Il faut pouvoir dater l'infarctus. Si la troponine est normale, a priori, c'est un infarctus ancien. Et donc, il faut faire le bilan anatomique de la maladie coronaire, soit avec un scanner, soit avec une coro. Mais a priori, on va traiter par anticoagulation aspirine. Puis ensuite, c'est un petit peu l'anatomie qui va guider le traitement. C'est-à-dire que soit c'est un infarctus ancien avec un thrombus ancien qui tapisse un VG cicatriciel où le risque embolique est faible. On n'utilise pas d'anticoagulant. S'il y a une fibrillation atriale, on utilise bien évidemment un anticoagulant et on rajoute un antiagrégant plaquettaire s'il y a une maladie coronaire associée qui justifie éventuellement un geste de revascularisation immédiat après avoir évalué s'il y a ou non une ischémie myocardique ou une viabilité. Et ça va dépendre des données de l'imagerie, c'est-à-dire échographie ou IRM cardiaque. Là encore une autre question. Comment diagnostiquer une dysfonction microvasculaire? Quel traitement préconiser? Alors, dans la dysfonction microvasculaire, tout d'abord, vous allez, en fait, on fait ce qu'on appelle les tests fonctionnels. Hein, c'est-à-dire que soit on mesure, la réserve coronaire au niveau des gros vaisseaux avec la FFR, et puis ensuite, on peut mesurer ce qu'on appelle les indices de résistance microcapillaire avec de l'IMR et puis on fait des tests avec des vasodilatateurs comme l'acétylcholine et c'est ce qui va permettre de vous orienter vers une atteinte microvasculaire. Et en fonction de la réponse à ces tests, vous allez pouvoir adapter votre traitement avec des vasodilatateurs si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, de la physiologie coronaire. Mais maintenant, on a tous les tests qui marchent très bien, notamment avec les cathéters Reflow, qui sont extrêmement simples à utiliser, extrêmement intéressants, où vous pouvez mesurer des débits coronaires, des résistances microcapillaires, des résistances sur les vaisseaux, les troncs épicardiques, et faire la part des choses entre ce qui se passe au niveau des troncs épicardiques et ce qui se passe au niveau microvasculaire, et surtout s'il y a une réversibilité, notamment avec l'acétylcholine. Aïcha, est-ce que tu as une question, Aïcha? Seconde. Voilà, donc je pense qu'on a atteint donc le terme de la session. Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions et parce qu'on doit arrêter le. C'est encore une petite question brûlante.
Et sinon, je remercie donc le professeur Jean-Philippe Collet donc d'avoir répondu à notre invitation. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Et donc, je remercie le professeur Stott donc, pour avoir animé la session. Je remercie les laboratoires Sun Pharma de nous avoir permis de nous réunir ce soir donc, autour d'une thématique très importante que sont les nouvelles recommandations émanant de la Société européenne de cardiologie concernant la prise en charge des syndromes coronaires aigus sans décalage du segment ST. Donc, j'en profite donc pour vous rappeler notre congrès national donc, qui se fera sous forme de e-congrès, donc la Société marocaine de cardiologie, qui se déroulera donc entre les 15 et 17 octobre 2020, donc de façon virtuelle en raison de la crise sanitaire actuelle. Alors, vous trouverez le programme et donc les modalités d'inscription sur notre plateforme via le site de la Société marocaine de cardiologie, smccardiologie.org, dans les jours à venir. Encore une fois, merci et à très bientôt. Merci, bon courage. Merci à vous. Au revoir. Merci, professeur Jean Collet. Au revoir. Merci, merci Aïcha. Merci tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. كيف بس كوسون أنا حسيت